Qui position face à demande quelques artistes pour Carnaval en Haïti à Nizar? Et bien, avant tout, je voulais saluer toutes les populations haïtiennes, là, jeunes et artistes et artisans, populations et en général. Et par rapport à la question ça, de l'organisation de carnaval et, ou pas, pour 2019, là, je pensais que la question allait plus loin et qu'il y a un domaine et culturel. Donc là, c'est carrément une problématique de protection civile et de sécurité nationale. Et parce que l'État lui-même, et première mission de l'État, eh bien, c'est garantie et sécurité population. Et je pense que et artiste là tout, que l'Ankassa, et malheureusement, nous ne pas parler de corporation d'artistes, nous ne pas parler non plus de industrie, mais si nous avons parlé en tant que tel, eh bien, et nous sommes capables de référer nous à un code d'éthique qui lui-même tape pour gagner comme mission tout. Par exemple, l'artiste là qu'on est premier devoir lui-même, ou bien première priorité, c'est sécurité publique et qui prend dans celle-là. Mais vu que Kounia nous pas Kawel est depuis est en question d'éthique, mais en Ouel depuis en question et morale. Donc, dans conjoncture et de crise et de tension politique, côté que semaine passée, il y a un pile et moun qui mourit, il y a un pile et en situation vraiment de crise dans le pays, qui pas seulement était au niveau local, mais qui traversait au niveau que national. Donc, je pensais que c'est une décision et je pensais que qui est responsable et annuler le carnaval là. Parce qu'en termes de protection civile, eh bien, l'État, gouvernement que l'on doit ça. Donc, les qu'on parle de carnaval ou parler d'un événement de concentration massive. Donc, il y a des cas et qui arrivent que la société, hein, côté que si il y a une épidémie, côté que si il y a une catastrophe et naturelle. Nous, ça au Mexique, par exemple, et après, il y a 2 ans, après séisme qui était fait, quoi, était 29 septembre, eh bien, ils ont annulé toute activité de concentration massive, question, eh bien, pour protéger et vie et bien environnement. Donc, et sous base ça, donc, ils n'ont d'accord que réellement que moment actuel là, donc, il n'est pas propice. Et pour organisation et un carnaval, le que nous connaissons d'ailleurs, que outre de côté artistique et culturel, le carnaval là tout toujours marié à des situations de violence, côté mourir, coup de couteau, accident et tout. Donc, est-ce que l'on situation de tension et politique, de tension sociopolitique est aussi et particulière, aussi sensible? Donc, est-ce que vous pensez que est-ce que c'est responsable? Et pour des citoyens, eh bien, les exposer, vie population, dans un événement tant que ça carnaval a représenté directement. Ben oui, yo présenté carnaval là tout en contradiction. Est-ce qu'on pensait que il est suffisant, ok, pour nous dire bon à cause de tradition ça, faut à tout prix faut que carnaval année ça. Et avant tout, problème là mal posé. Et problème là vraiment mal posé, mais parce que artistes ont le droit pour faire pression et sous l'État, tant pour tous les citoyens. Mais et cependant, la question est très mal posée. Parce que si on parle de tradition, et bien toute et tradition, concept tradition, n'est pas obligé et les faut un concept national. Par exemple, après carnaval, par exemple, et protestants, et pas le carnaval. Deuxièmement, les comprend le ministère de la Culture en tant qu'entité étatique, et bien le ministère de la Culture en tant qu'entité étatique, et bien les soumettent et à ça, les principes et laïcs. Donc, et du coup, parler de saison carême ou autre, et bien ce n'est pas un argument qui est assez campé, ok, pour t'as parlé du carnaval comme tradition nationale, eh bien, qui vaut la peine pour que vous exposez et vie population. Deuxièmement, tout que je pense, il faut que nous pas confondre et nous pas confondre communauté à tout. Donc, si on a fait éducation en jeunesse, si on a fait éducation en public, eh bien, il mérite que nous-mêmes et nous que nous informer et puis et ça n'a pas quitté au capable de gagner en valeur et pour développement communauté ça. Donc, si on a parlé de carnaval par exemple, et carnaval, c'est une tradition européenne, carnaval importé et en Amérique avec la colonisation. Et c'est une fête qui carnaval en Haïti commencé et plus ou moins sous temps la colonie, c'est un moment de répit côté colon lui-même qui vient là avec coutume parle, qui vient là avec tradition parle, et bien il profiter de
de moment ça et bien pour que livrer à des débauches et puis tout côté esclave à talent yo que eux même qui capable exposer et quelques bagages mais tout c'est un moment tout et côté que qui était lié avec abus colonial là qui était lié côté qui était profité violer femmes noires et battre femmes noires donc carnaval en Haïti tout lié avec un peu de violence tu comprends donc faut ne pas dérouter et communauté et si n'a parlé de tradition et bien et on parlait plutôt de retour aux valeurs je pense que gain pile et valeurs que n'a perdu je pense que oui et ministère de la culture passé à côté de mission je pense que oui artistes gain raison pour revendiquer mais gain plus raison pour revendiquer que en question de carnaval et revendication mouvement li doit et répondre à un résultat collectif et non à un résultat et particulier parce que là que autant des artistes et eh bien pas croire peut-être l'une toile ou doué que nous pas l'exposer en population pas croire peut-être ou doué blanc et matériel il vaut la peine pour nous exposer la vie et en population je pense que l'heure est à la conscience et non à la mesquinerie mais OK en général comment comprendre l'attitude artiste ça et je pense que tout est gain en valeur humaine pour que nous mettez en question parce que société a pas fait politicien confiance encore société a pas fait l'église confiance encore et bien c'est vraiment malheureux et catastrophique si société a li pas croire l'artiste encore finalement parce que un artiste c'est avant tout un leader d'opinion et en tant que un leader d'opinion et bien ou gagner une obligation morale donc par exemple c'est pas sans raison que artiste utilise que la publicité parce que le fait que un artiste paraît avec un produit lamel et bien l'inciter et communauté à acheter produit hein. Et communauté a fait artiste là et en pile crédit que normalement donc maintenant et du coup je pense que l'artiste a une valeur humaine que l'il doit démontrer, a un niveau de conscience que l'artiste doit faire preuve. Ça a été vraiment choqué. Et par exemple, il y a maintenant des artistes qui déclarent que eux-mêmes, ils sont des artistes et ça n'a pas gardé au pays, il n'y a pas d'hôpital, ça n'a pas gardé au et cette situation de crise actuelle là, ils sont artistes et bien ils sont là pour que ça ait plaisir. Mais malheureusement, et nous pas qu'à bailler plaisir à un peuple en agonie, nous pas qu'à faire monde qui pas de santé danser et nous pas qu'à faire un peuple nous pas qu'à bailler un peuple qui a crié et plaisir et parler de plaisir, parler de loisir, c'est penser tout avec les victimes et semaine dernière, c'est penser avec des mamans qui perdu et petite li, c'est penser avec des monde qui perdu bien, c'est penser à ça. Donc et je pense que pour artiste là et bien public là important. Je pense que il y a une relation qui est très étroite entre artiste là et public là et artiste là lui-même lui doit défendre public là même artiste là doit défendre et valeurs et non défendre une position mesquine. Merci.